L'Égypte ancienne, une civilisation qui a résisté au passage du temps et de l'histoire. Un peuple qui a révolutionné le cours de l'humanité avec ses grandes découvertes. Il y a des milliers d'années, les Grecs et les Romains étudiaient déjà le mystère des grandes pyramides. Et encore de nos jours, le charme magique et les secrets de ce peuple demeurent intacts. Des découvertes, de la magie, de l'aventure. En exclusivité pour nous, Zahi Hawass, archéologue mondialement connu, nous révèle les dernières découvertes stupéfiantes de la civilisation égyptienne. En sa compagnie, nous visiterons des sites qui n'ont jamais été montrés auparavant. Nous découvrirons des fouilles qui ne sont pas encore achevées. Nous pénétrerons dans des passages souterrains et des tunnels non explorés. Un voyage fascinant dans les plus grands monuments que l'homme ait jamais construits. Que reste-t-il à découvrir sous le sable du désert égyptien? Quel mystère reste caché dans la vallée des rois? Qui étaient vraiment les Égyptiens? Quelles étaient leurs croyances? En quoi consistait la vie quotidienne il y a 3000 ans? Un mystère qui durait depuis plus de 3200 ans devient la plus grande découverte archéologique du siècle grâce au courage et à l'intuition d'un homme. Un pharaon oublié reprend sa place dans l'histoire, l'enfant roi Toutankhamon. La découverte de la tombe de Toutankhamon est la plus grande découverte archéologique. Cette découverte eut lieu le 4 novembre 1922. Howard Carter faisait des fouilles dans la vallée des rois et le porteur d'eau trouva l'entrée. Howard Carter arriva à l'entrée et trouva la tombe qu'il cherchait depuis 5 ans. Le 4 novembre 1922, l'archéologue anglais Howard Carter découvre 16 marches d'un escalier qui mène à la tombe de Toutankhamon. La tombe est intacte. Personne n'y avait pénétré auparavant. Mais ce n'est que 22 jours plus tard que Carter se rend compte de l'importance de sa découverte. Howard Carter disait : Le 26 novembre fut un jour clé, le plus beau jour de ma vie, comme on peut espérer qu'il y en ait un autre. À la moitié de l'après-midi, près de 10 mètres après cette porte, on en trouvera une deuxième. Les sceaux étaient encore plus difficiles à déchiffrer, mais le sceau de Toutankhamon et celui de la nécropole royale étaient encore lisibles. Rapidement, tout s'éclaircissait. Il suffisait de casser la porte murée pour trouver les réponses à nos questions. Peu à peu, et d'une manière qui nous semblait désespérément lente, tous les gravats qui recouvraient la partie inférieure de la porte furent enlevés, et enfin le mur d'obturation devint entièrement visible. Ce fut le moment décisif. Face à ce mur, Howard Carter a-t-il pensé se trouver à un pas de la découverte archéologique du XXe siècle, un événement qui rendrait son nom immortel, ainsi que celui du pharaon qu'il menait à la lumière, Toutankhamon. Jusqu'à ce jour, Toutankhamon n'était qu'un nom oublié des siècles durant. Un pharaon qui ne vécut pas suffisamment longtemps pour laisser un signe tangible de son passage sur Terre. Un pharaon dont le nom n'apparaissait même pas sur les listes royales des dynasties de l'Égypte ancienne.
Ces listes furent en fait interrompues entre Amenhotep III et Horemheb en omettant les noms de quatre souverains, les pharaons surnommés hérétiques, Akhenaton, Smenkhara, Ay et bien sûr Toutankhamon. Toutankhamon était un des rois de la 18e dynastie. C'était un jeune roi qui mourut à l'âge de 18 ou 19 ans. Il y a une sorte de secret ou de mystère sur la manière dont il est mort. L'enfant pharaon vécut et régna pendant une des périodes les plus troubles de l'histoire de l'Égypte. Il devint roi peu après la mort d'Akhenaton, le souverain qui mena à bien une révolution sociale, politique et religieuse sans précédent. Le panthéon égyptien fut remplacé par un dieu unique, Aton, le soleil, pour lequel Akhenaton construisit une ville entière, telle El Amarna, et ferma tous les temples dédiés aux autres dieux. À la mort du pharaon, une période trouble s'ensuivit, pendant laquelle les prêtres d'Amon, le dieu tout-puissant, parvinrent à rétablir la situation antérieure. Toutankhamon ramena de nouveau le centre religieux du pays à Karnak. Et de nombreux éléments qu'Akhenaton avait faits pour changer le culte d'Aton et pour faire disparaître le culte d'Amon-Ré furent détruits. Le centre religieux revint à Karnak et Amon-Ré devint à nouveau le dieu le plus important. Les temples d'Akhenaton furent démontés et les pierres réutilisées dans d'autres monuments. Ce qui est pratique, car certains temples ont été préservés, malheureusement, de manière fragmentée. En 1339 avant Jésus-Christ, avec le soutien des mêmes prêtres, Toutankhamon devint pharaon à l'âge de 9 ans. Avant la découverte de sa tombe, codifiée sous le numéro KV62, on savait peu de choses sur ce jeune roi. Mais aujourd'hui, il est bien plus connu que n'importe quel autre pharaon d'Égypte ancienne. Toutefois, certains aspects de sa vie restent enveloppés de mystère. Comme par exemple l'identité de ses parents. Si on regarde la famille de Toutankhamon, comme je l'ai dit précédemment, certains spécialistes pensent que son père était Amenhotep III. Je pense que son père était Akhenaton. Sa mère, pour moi, était la reine Kia, mais certains pensent qu'il s'agit de Nefertiti. Nous ne le savons pas vraiment. Même sans l'existence de preuves archéologiques qui nous fournissent une réponse certaine sur les parents de Toutankhamon, il semble certain qu'il est né et qu'il a vécu son enfance à Tel El Amarna. Cette hypothèse nous est suggérée par plusieurs facteurs. Tout d'abord, son nom, Toutankhamon, pendant les premières années de sa vie, signifie l'image vivante d'Aton. La tombe royale à Amarna comporte également un mur avec la représentation des funérailles de Mekhetaton, une des filles d'Akhenaton et de Nefertiti. Selon une théorie, Mekhetaton mourut en couche en donnant naissance en fait à Toutankhamon, que l'on représente sous la forme d'un bébé dans les bras d'une mère nourricière. Selon certains experts, cependant, l'enfant pharaon était le beau-fils d'Akhenaton, car il avait épousé une des filles du pharaon hérétique et de Nefertiti. Mais il existe encore une autre théorie, qui semble plus probable. Nous pensons qu'il était le fils d'Akhenaton à 90%. Toutes les preuves que nous avons nous disent qu'il était un des enfants d'Akhenaton. Nous savons qu'Akhenaton n'avait que des filles de la très célèbre reine Nefertiti, 6 filles. Il n'avait pas de fils de Nefertiti. C'est pour cela qu'il avait une deuxième femme, dont le nom est Kiya. Et c'est Kiya qui a porté le fils d'Akhenaton. Il semblerait que le jeune Toutankhamon ait épousé sa demi-sœur. La seule certitude que nous ayons est que le garçon fut couronné à Tel El Amarna, mais qu'il abandonna rapidement cette ville pour revenir à Thèbes, où il changea son nom pour celui de Toutankhamon, l'image vivante d'Amon.
La présence de Toutankhamon dans la ville a dû être brève. On ne trouve pas de changement des noms des temples pour attester de sa présence. Et la plus grande date sur tout type de documents confondus ici, essentiellement des étiquetages des jars, c'est celle de l'an 2. Puis nous savons qu'il se trouve à Memphis, où il signe un décret. Un décret qui rejette tout ce que Akhenaton a fait et qui restaure les temples. Dans ce décret, on sait que l'époque des Amarna est terminée. Et peu d'années se sont écoulées entre la mort de Akhenaton et ce rejet formel par Toutankhamon. C'est-à-dire l'intervalle qui représente la fin de la période Amarna peut être pas plus de 3 à 4 ans. La première tâche qui incombe au très jeune pharaon est de réintroduire le culte d'Amon. Le pays était accablé, les sanctuaires des dieux tombaient en ruine. J'ai prié les dieux et les déesses afin qu'ils m'aident, mais ils ne m'ont pas écouté. J'ai œuvré constamment afin de regagner leur faveur. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé leur temple détruit, les lieux sacrés profanés et les cours recouvertes d'herbes folles. J'ai reconstruit leur sanctuaire, j'ai rénové les temples et je leur ai offert de nombreuses offrandes précieuses. J'ai fait faire les statues des dieux en or, incrustées de lapis-lazuli et d'autres pierres précieuses. La réintroduction du culte d'Amon était une décision très importante que Toutankhamon ne pouvait prendre à lui seul. Après la mort d'Akhenaton et le retour de la cour à Thèbes, le culte d'Amon-Ré redevint extrêmement puissant. Le très jeune âge de Toutankhamon permettait aux prêtres d'exercer une influence sur lui et de se réapproprier le pouvoir qu'Akhenaton leur avait enlevé. Ce rétablissement fut suivi d'un retour à Thèbes en tant que capitale du royaume. Dans le grand complexe des temples d'Amon-Ra à Karnak, il fit construire une grande avenue, bordée de sphinx à tête de bélier, ce qui reliait le temple d'Amon à celui de Mout, sa femme divine. De plus, il réintroduisit la fête ancienne d'Opé, qui était la fête de dévotion la plus solennelle à la triade thébaine formée par Amon, Mout et Khonsu. À Louxor, il fait ériger une statue de lui-même et de sa femme que l'on attribua plus tard à Ramsès II. Toutefois, c'est proche de cette statue que l'activité de Toutankhamon en matière de travaux publics atteignit son paroxysme. Nous nous trouvons dans la procession de colonnes du temple de Louxor qui fut commencée sous Amenhotep III et abandonnée sous Akhenaton. Ces colonnes sont un témoignage de la dévotion de Toutankhamon à Amon-Ré, car il acheva une grande partie de ses merveilleux décors. Malgré sa célébrité, Toutankhamon créa peu de choses. Son règne ne dura que 10 ans. Il mourut avant même d'avoir 20 ans. Ce fut une mort soudaine qui surprit tout le monde, y compris ceux qui travaillaient à la construction de son tombeau. Quand l'enfant roi mourut, le lieu pour son repos éternel, en fait, n'était pas encore prêt, et son corps embaumé fut placé dans un autre lieu de repos, indigne d'accueillir un roi. Il s'agit en fait d'une chambre funéraire de petite taille, composée d'un couloir court qui mène dans une antichambre devant une zone réduite dénommée annexe, dans laquelle on conservait les objets et la nourriture dont le pharaon aurait besoin dans l'au-delà. À partir de l'antichambre, on peut atteindre la chambre funéraire et le petit trésor. Dans l'ensemble, la tombe est de dimension modeste, pas plus de 100 mètres carrés. Mais elle est un des lieux les plus fascinants et les plus importants associés à l'histoire de l'Égypte. La célébrité de Toutankhamon est due à la découverte de sa tombe, la seule trouvée intacte dans la vallée des rois,
grâce à la ténacité et à l'intuition d'Howard Carter. Carter commença les fouilles dans la vallée des Rois en 1907. Il était financé par George Edward Herbert, Earl de Carnarvon. Mais pendant de nombreuses années, les fouilles ne donnèrent pas le résultat escompté. Ce n'est qu'après des années de recherche que, finalement, le 4 novembre 1922, l'archéologue anglais trouva ce qu'il cherchait. Ce jour-là, Carter arrive sur le site et trouve les ouvriers silencieux. Et le contremaître vient vers lui et lui dit « Nous avons trouvé quelque chose que vous devriez voir. » Et il l'emmène sur le site, à un endroit précis, et lui montre la première marche de la tombe. À ce moment, Carter ne sait pas qu'il va trouver la tombe de Toutankhamon, mais il est certain d'avoir, enfin, trouvé quelque chose d'important dans la vallée des Rois. Donc il descend les marches vers la tombe. Après avoir fini de nettoyer l'escalier, il parvient à une entrée qu'il trouve bouchée, avec les sceaux de la nécropole de la vallée des Rois. Il appelle James Henry Breasted afin de lire ensemble le nom inscrit sur ces sceaux. Et il voit qu'il s'agit des sceaux avec les cartouches de Toutankhamon. Il commence à comprendre qu'il s'agit de la tombe de Toutankhamon. Mais il trouve également deux sceaux qui indiquent que la tombe a été ouverte après les funérailles de Toutankhamon. Il a donc quelques soupçons que la tombe ait pu être cambriolée dans l'Antiquité. Vous imaginez, ces deux sceaux qui scellent cette porte lui donnent des doutes quant à la tombe. Est-elle intacte ou pas ? Mais il poursuit les fouilles et il envoie un message à Lord Carnarvon afin qu'il vienne le rejoindre pour cette découverte. Lord Carnarvon le rejoint alors qu'il finit ce couloir et ils atteignent la tombe à l'autre entrée. Jusqu'à son arrivée, toutes les entrées étaient fermées et scellées, avec les noms de Toutankhamon. Et là, à cet endroit, Lord Carnarvon le rejoint. Et ils se mettent à briser les sceaux ou cette porte afin de voir ce qui se trouve à l'intérieur. Carter allume une bougie pour voir ce qui se trouve à l'intérieur et Lord Carnarvon lui demande « Que voyez-vous ? Que voyez-vous ?» Et il répond « Je vois une lueur d'or à l'intérieur. » Ce qui signifiait que la tombe était intacte quand il la voit pour la première fois. Il voit également, avec Lord Carnarvon, pour la première fois, que la tombe est remplie d'objets. Des milliers et des milliers d'objets. La tombe déborde d'objets, c'est un grand moment pour eux. Vous savez, ce qu'ils ont trouvé se trouve dans tous les livres d'égyptologie, car ce fut un grand moment pour l'histoire de l'égyptologie. Et aussi car, pour la première fois, on trouvait une tombe intacte dans la vallée des Rois. Quand Carter finit d'ouvrir le passage dans cette pièce, ou antichambre, il trouve une pièce remplie de milliers et de milliers d'objets. La plupart d'entre eux en or et en pierres précieuses ou semi-précieuses. Tout était disposé et enveloppé très soigneusement, prêt à tenir compagnie au roi dans son voyage dans l'au-delà. En 1927, il commence à travailler vers l'ouest jusqu'à atteindre un grand mur. Et là, il y a une entrée scellée avec des cartouches de Toutankhamon. Carter était parvenu à un moment clé. L'antichambre était presque dégagée et il allait casser le mur qui le séparait de la chambre funéraire, où il espérait trouver la momie du pharaon encore intacte. Howard Carter disait « Avec un soin extrême, je cassai le plâtre et commençai à retirer les petites pierres qui formaient le haut de la partie supérieure du mur.
Le désir de tout arrêter pour regarder l'intérieur était irrésistible et, quand au bout de 10 minutes, le trou était suffisamment grand pour regarder l'intérieur, j'insérai une lampe torche. La lumière me révéla un spectacle ahurissant. La vingtaine de personnes qui se trouvaient dans le tombeau à côté de Carter lui demandèrent s'il voyait quelque chose. Ce à quoi l'archéologue répondit « Oh oui, des merveilles !» Encore la voix d'Howard Carter. À environ 1 mètre de la porte, dans quelque direction que ce soit, une quantité importante de matériaux bloque l'accès à la chambre. Ce n'était rien d'autre qu'un mur, en or massif. Il vit le reflet de l'or qui brillait sur son visage. Car les tombeaux en bois doré qui recouvraient les sarcophages du roi, se trouvaient juste derrière ce mur. Et ils se mirent à soulever les tombeaux, 6 tombeaux, systématiquement, l'un après l'autre, jusqu'à atteindre ce merveilleux sarcophage en quartzite. Puis, ils soulevèrent le haut du sarcophage. Une fois la partie supérieure du sarcophage enlevée, Carter trouva le sarcophage extérieur, fait en or massif. Puis ils l'ouvrirent et trouvèrent un autre sarcophage, fait en bois doré, et quand ils le soulevèrent, ils se retrouvèrent face à la momie. Malgré la taille réduite, la tombe est recouverte de représentations qui ont toutes beaucoup à nous raconter. Regardez au début. On peut voir les funérailles. On amène la momie de Toutankhamon dans un tombeau et on amène la momie au tombeau. Puis après cela, nous avons Haï, le grand prêtre qui devint roi d'Égypte, qui ouvre la bouche de Toutankhamon, tel Osiris, et lui dit « Je t'ouvre la bouche afin que tu puisses manger. Je t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir. Je t'ouvre le nez afin que tu puisses respirer dans l'au-delà et tu deviendras roi. » Puis vous avez des scènes de Toutankhamon en compagnie de dieux, en particulier Hathor, la déesse de la beauté et de l'amour, et Osiris. Regardez, ils le tiennent avec amour et affection. Osiris lui dit, « Viens dans mon royaume, tu deviendras l'un d'entre nous, tu deviendras Dieu. » Et Hathor, tout comme Isis, sa mère, le tient avec amour. Et encore une scène, et un extrait du livre d'Amduat, ce que l'on trouve dans l'au-delà. Et puis nous voyons Anubis qui bénit également Toutankhamon. Peu de scènes, mais toutes très importantes, qui nous montrent qu'Osiris acceptait le roi Tout, qui reposait sous des cercueils en or, pour vivre pour l'éternité. La nouvelle de la découverte se répand rapidement dans le monde entier, et elle devient encore plus sensationnelle de par une supposée malédiction qui semble frapper ceux qui ont pris part à la découverte. On dit en fait qu'à l'intérieur de la chambre funéraire, on trouva une tablette en terre cuite qui disparut par la suite avec une inscription explicite. Les ailes de la mort frapperont quiconque osera déranger le repos du pharaon. À l'époque, on apporta différentes versions de la malédiction, mais toutes s'accordaient à rendre responsable pour tout événement malheureux la colère du pharaon, dont le repos éternel avait été dérangé après près de 33 siècles. Ce qui donna naissance à cette légende fut la mort soudaine de Lord Carnarvon quelques mois après la découverte. Dans les années qui suivirent, plusieurs personnes associées, même indirectement, à la découverte de la tombe, eurent différents accidents. Pour cette raison, de nombreux journaux se rendirent compte que la malédiction était une information plus fascinante que la découverte en elle-même et contribuèrent à l'entretenir en rapportant la moindre rumeur. Et encore de nos jours, la malédiction continue de faire la une. J'ai pris la momie et je l'ai introduite dans l'appareil à tomographie. Et ce qui est surprenant, c'est qu'après avoir mis le corps du roi Tout à l'intérieur de l'appareil à tomographie, l'appareil s'est arrêté.
Je me suis mis à penser qu'il y a peut-être quelque chose que l'on pourrait appeler la malédiction des pharaons ou la malédiction de Toutankhamon. Pourquoi l'appareil s'était-il arrêté? Même si la tombe était de taille limitée, on y trouvait 5398 objets en or et en argent. Le plus grand trésor jamais découvert. Ces merveilleux objets au musée égyptien du Caire ont séduit le cœur de tout le monde. Chaque objet nous raconte une histoire. Un régime alimentaire, par exemple. Il aimait la bière. Nous avons un grand nombre de cruches à bière. Nous nous intéressons à la nourriture. Nous avons de nombreuses informations sur la nourriture et l'alimentation du roi. La tombe peut nous raconter des choses sur ce jeune homme qui a régné pour une si courte période, mais c'était un âge d'or. On a retrouvé des dizaines de vases et d'animaux en albâtre. Le trésor, dans sa grande partie, était composé d'un reliquaire en or qui protégeait quatre vases canopes en albâtre. Ces derniers contenaient les organes internes du jeune pharaon. Trois magnifiques têtes de lit en bois doré occupaient tout le mur de l'antichambre où se trouvaient également 700 objets. Parmi ceux-ci, un splendide trône doré avec une des plus rares représentations de Toutankhamon avec sa femme principale, Ankhésénamon. Le couple royal est représenté dans un moment de grande intimité, car la femme applique un ongu parfumé sur le corps du souverain. Les deux jeunes gens sont représentés avec une seule sandale au pied, un signe de l'amour éternel qu'ils s'étaient mutuellement juré, tant dans les temps meilleurs, symbolisés par le pied chaussé de la sandale, que dans les temps difficiles, le pied nu. Nous avons un très petit tombeau doré. Ce tombeau est recouvert de scènes merveilleusement belles entre Toutankhamon et sa jeune femme, dans des poses très différentes. Les objets que nous avons ici nous montrent qu'ils étaient très amoureux l'un de l'autre, même s'ils étaient très jeunes quand ils se sont mariés. Toutankhamon a épousé Ankhésénamon peu avant d'être couronné, c'est-à-dire à l'âge de 9 ans. Et au fil des ans, leur amour est devenu plus profond. Ils étaient amoureux. Tout dans cette tombe nous le montre. On le voit sur les objets, comme ce trône qui se trouve au musée égyptien du Caire. Regardez la reine. Elle se penche vers lui, elle le touche. Quand il meurt, elle met cette fleur. Et nous savons qu'il n'avait pas d'enfant. Les seules preuves que nous ayons sont le fœtus qui montre qu'ils ont eu deux enfants morts-nés. Nous espérons pouvoir faire des prélèvements pour étudier l'ADN pour trouver la relation entre ces fœtus et le roi Tout. De tous ces objets retrouvés dans la tombe, les plus précieux sont ceux qui se trouvaient dans la chambre funéraire. Le corps du pharaon était protégé par quatre tombeaux en bois doré, les uns à l'intérieur des autres. À l'intérieur se trouvait un grand sarcophage en quartzite qui contenait encore trois autres sarcophages, les deux premiers également en bois doré et le troisième en or massif. Howard Carter disait « On souleva le couvercle en utilisant les poignées dorées et la momie du pharaon apparut. Plus de 3000 ans s'étaient écoulés depuis que des yeux humains avaient contemplé ce qui se trouvait à l'intérieur de ce cercueil en or massif. » Et en comparaison avec la brièveté de l'existence humaine, toute perspective commune semblait disparaître. Devant nous se trouvait allongé tout ce qui restait du jeune pharaon, qui, jusqu'à ce jour, n'avait été que l'ombre d'un nom. Le visage de la momie était protégé par un merveilleux masque en or, qui nous indiquait la physionomie du pharaon. Le plus bel objet sur Terre, le masque en or. J'ai l'impression qu'il parle. Quand je le regarde, ce visage, ses yeux, il est vivant. À l'intérieur du masque se trouvait gravé un vers du texte du sarcophage qui accompagnait le pharaon dans l'au-delà. Je te salue, toi,
au doux visage. Toi, dont les yeux voient, toi, qu'Anubis a assemblé. Toi, dont Ptah-Sokar a vanté les mérites, à qui Shu a prêté aide. Toi, au doux visage parmi les dieux. Toi, que Ré donna à Osiris pour la chose secrète qui lui fut faite, afin d'en finir avec le tort que Seth lui fit. Puisses-tu le rendre esprit, puisses-tu soumettre ses ennemis, puisses-tu le guider vers les lieux paisibles du royaume des morts, puisses-tu briser la conspiration de Seth. Que je sois celui qui endure. Endurer est ce qui a été ordonné, endurer comme Ré, pour toujours. Enlever le masque du visage du pharaon n'était pas chose aisée et Carter s'en rendit compte rapidement. Il essaya de retirer le masque, ce qu'il ne parvint pas à faire car le masque était complètement attaché au corps de la momie. Il dut sortir la momie de la tombe et la placer sous le soleil. Il ne parvint pas toujours pas à retirer le masque. Alors, il amena la momie à l'intérieur de la tombe de Seti II. Puis, avec d'autres, ils prirent différents outils et enlevèrent le masque. Et c'est de cette façon que Howard Carter a complètement endommagé la momie et l'a brisée en 18 morceaux. La manière de procéder de Carter et les recherches sur la momie qui suivirent ont laissé la momie dans un état très détérioré. Ces dernières années, de nombreuses dispositions ont été prises afin de préserver l'état de conservation. J'ai regardé le corps et je me suis dit, je dois sauver ce roi, je dois sauver cet enfant. Car la respiration des gens qui entrent à l'intérieur ou la poussière peuvent détruire encore davantage la momie. C'est pour cela que je suis venu le 4 novembre 2007, le jour anniversaire de la découverte de la tombe. Vous n'imaginez pas. La vallée était pleine de centaines de journalistes du monde entier. L'enfant roi attirait tout le monde. C'est pour cela que l'on a conçu cette sorte de présentoir en Allemagne. J'ai enlevé la momie de son sarcophage et je l'ai placée ici. Les seules parties que l'on peut voir sont le visage et les pieds. Et en dessous, on peut voir le contrôle du taux d'humidité et ainsi on peut préserver la momie pendant encore de nombreuses années. Les analyses ont donné des résultats surprenants, en particulier en ce qui concerne un des mystères les plus obscurs se rapportant à Toutankhamon, la véritable cause de sa mort soudaine. Pendant des décennies, la théorie la plus acceptée était celle de l'homicide. Mais aujourd'hui, les analyses pratiquées par le Conseil suprême des Antiquités, avec les moyens technologiques les plus avancés, ont montré qu'il est mort d'un simple accident. Nous avons découvert qu'il n'avait pas été tué comme on le pensait au siècle dernier. Les gens pensaient qu'il avait été tué parce qu'après des analyses, on a trouvé une sorte de trou dans son cerveau. Mais ce n'est pas ça qui avait causé la mort. Nous avons trouvé qu'il n'a pas été assassiné. Ce trou à l'arrière de la tête, l'appareil à tomographie nous a montré qu'il fut pratiqué à la 18e dynastie afin de permettre la momification, afin de verser le liquide à l'intérieur du corps. Et j'ai ramené la momie et annoncé que le roi Tout était mort dans un accident. Car nous avons trouvé une fracture à la jambe droite et cette fracture s'est produite une journée avant sa mort. Mais quel type d'accident? Nous n'en savons rien. Et cependant, jusqu'à ce moment-là, on pensait que les circonstances du décès étaient différentes. En 1968, on a analysé la momie au rayon X. Les résultats ont montré des taches suspectes au sommet du crâne.
C'est à partir de cela que les théories d'un complot et d'un homicide se sont répandues. Il y a eu un certain nombre de théories quant à la manière dont Toutankhamon est mort. Une des plus répandues était qu'il avait été tué d'un coup derrière la tête. Cette théorie reposait sur un examen au rayon X que l'on avait pratiqué il y a un certain temps, et à partir de cette image brouillée, floue, on a bâti une théorie sur la manière dont il est mort, peut-être par un de ses conseillers, Ai, ou un autre conseiller, Horemheb. Pourquoi Ai et Horemheb, en tant que principaux suspects du crime, qui étaient ces hommes? Ai, qui, selon certaines théories, était le père de Néfertiti, avait des responsabilités importantes sous le règne d'Akhenaton. Il était membre du conseil de régence qui gouvernait l'Égypte avant que Toutankhamon ne devienne pharaon. Les travaux de construction de son tombeau furent commencés à Tel el Amarna, mais ne furent jamais achevés car la mort du jeune roi changea la situation. Ankhesenamon ne souhaitait pas épouser un des prétendants au trône. Elle écrivit au roi des Hittites. Mon mari est mort et on m'a dit que vous aviez des fils adultes. Envoyez-moi un et j'en ferai un prince consort qui régnera sur l'Égypte. Le souverain Hittite accepta la proposition et envoya un de ses fils à la reine. Le prince, cependant, ne parvint jamais à la cour de Thèbes. Il fut tué pendant son voyage vers l'Égypte par des assassins, envoyés peut-être par Ai. Selon certaines théories, Ankhesenamon épousa le vieux prétendant. Selon d'autres, elle ne l'épousa pas et on ne sait rien d'autre d'elle. La seule certitude est que Ai, même s'il n'était pas de sang royal, devint le 11e pharaon de la 18e dynastie. À 17 ans, il parvient à satisfaire sa plus grande ambition. Ai se fit construire un magnifique tombeau dans la vallée des rois, le KV-23, où on l'enterra à sa mort, juste 4 ans après son accession au trône. Horemheb lui succéda et, comme Ai, il devint pharaon sans être de sang royal. Il était général, un des hommes les plus importants à l'époque, vers la fin de la 18e dynastie. Il prit part au conseil de régence qui choisit Toutankhamon pour devenir pharaon et fut un de ceux qui lutta pour le pouvoir à la mort de Toutankhamon. Deux tombeaux sont conservés pour Horemheb. Avant de devenir roi, il avait commencé la construction d'une magnifique tombe dans l'ancienne nécropole de Saqqara. Horemheb s'est préparé un tombeau à Saqqara, dans la nécropole de Memphis, un tombeau qui devient de plus en plus grand, avec des cours, de nouvelles colonnes. Quand il devient roi, il doit faire un choix. Ce tombeau ne convenait pas pour le nouveau roi, car les rois sont enterrés dans la vallée des rois, à Thèbes et à Louxor. Donc Ai, quand il devient roi, se prépare un tombeau à Thèbes. Entre parenthèses, Ai avait peut-être un tombeau à Saqqara, qui reste à découvrir. Et pour Horemheb, c'est la même chose. Il se fait construire une splendide tombe pour lui dans la vallée des rois. La tombe d'Horemheb dans la vallée des rois, dénommée KV-57, semble inachevée. Les murs de la chambre funéraire sont décorés de scènes en relief, à différentes étapes d'achèvement. Mais elles sont très utiles pour comprendre le processus que les artistes suivaient pour obtenir ce type de décoration. Dans l'ensemble, la tombe d'Horemheb est une des plus grandes de la vallée des rois, et elle fait véritablement deux fois la taille de celle de son prédécesseur, Ai, le courtisan manipulateur, qui devint pharaon à la mort de Toutankhamon. Mais la tombe de Ai retient un autre mystère. En fait, il semblerait qu'elle fût construite au départ pour Toutankhamon. Mais à la mort soudaine du jeune pharaon, l'ancien vizir l'aurait enterré dans la tombe qui lui était destinée et qui, à ce moment-là, était achevée. «
Par chance, c'est cette tombe, la KV62, qui est restée intacte pendant plus de 3200 ans. S'il n'y avait pas eu ce concours de circonstances, peut-être qu'aujourd'hui Toutankhamon ne serait pas le pharaon le plus célèbre de l'histoire. Et on n'aurait pas sa momie exposée dans une vitrine, dans la tombe la plus célèbre au monde. On peut aujourd'hui admirer le visage d'un jeune pharaon, un visage qui, malgré tout, cache encore bien des secrets. Nous allons bientôt comparer le ADN de l'enfant roi avec le squelette d'Akhenaton et nous pourrons découvrir l'autre famille de Toutankhamon. L'enfant roi conservera toujours son mystère. Le mystère et la magie de Toutankhamon ne sont pas prêts de s'arrêter. Tout continuera. Howard Carter disait: le mystère de la vie de Toutankhamon continue de nous échapper. Les ombres se meuvent, mais l'obscurité ne se dissipe jamais complètement.